Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayh. Wa nusalli wa nusallimu ala man la nabiyya ba'dahu Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirina at-tayyibin wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin wa zawjatihi umahat al-mu'minin wa man salaka tariqahum ila yawmin la yanfa'u fihi malun Nous revoici encore devant vous pour poursuivre ou continuer tout simplement ou compléter aussi la seconde partie de votre émission qui a comme titre « L'amour de la nation fait partie de la foi ». Et nous avons dit ce thème qui nous a été donné. Nous pensons que ce thème a déjà été discuté par les grands savants, mais nous aussi. À notre manière, nous essayons d'y donner notre touche particulière sans toutefois aussi prétendre que nos points de vue ou bien ce que nous avons comme bref des connaissances serait meilleur par rapport à ce que possèdent les autres. Mais tout néanmoins, la modestie exige à ce que nous reconnaissons qu'il y a des grands savants qui ont déjà lui a donné leur point de vue sur cette question, mais nous aussi, pourquoi pas, nous pouvons vous donner nos petits points de vue sur l'amour de la patrie qui fait partie de la foi. Parce que, à notre humble avis, nous constatons que beaucoup de musulmans ne s'intègrent pas dans leur société respective. Chez moi, ici en République démocratique du Congo, beaucoup de musulmans sont alarmistes, ils ne cessent de dire que non, on ne nous aime pas, on ne nous favorise pas. Donc ils développent un certain nombre de discours parfois créés. Ils ignorent que cette nation, elle est, n'est-ce pas, une nation laïque. Donc il n'y a pas de religion d'État, l'islam fait partie de grandes religions de la République démocratique du Congo. Mais comme nous reconnaissons aussi, le Saint-Coran nous dit « Asabiquna, Asabiquna ». Donc, les chrétiens nous ont précédés. L'État belge, n'est-ce pas, était catholique. Il est tout à fait normal qu'à la colonisation, hein, lorsque nous avons eu l'indépendance de la République démocratique du Congo, les colons étaient catholiques. Il est tout à fait normal qu'ils favorisent, n'est-ce pas, les catholiques ou les chrétiens. C'est ainsi, vous allez voir que il y a la plupart d'écoles, d'infrastructures, beaucoup d'hommes politiques ne sont que ces gens-là. Mais il y a quand même des musulmans aussi qui ont compris qu'ils sont d'abord citoyens congolais ou africains. Ils doivent aussi s'intégrer dans la société. Et c'est pour nous une occasion de rappeler à l'autorité. Là, nous allons en parler lorsque nous allons parler de devoir de la patrie vis-à-vis de ses citoyens. Parce que nous musulmans, nous trouvons aussi quelquefois des petites injustices ou carrément des injustices. Hein, on nous assimile, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, on nous assimile au sujet ouest-africain. Tout de suite, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes musulman, ah, il s'étonne, ah, vraiment, congolais, africain, musulman, donc vous n'êtes pas arabe, donc l'islam est, n'est-ce pas, liés aux Arabes. Pourtant, les Arabes ne constituent que 13% de tous les Arabes réunis. C'est-à-dire, quand je parle des Arabes, c'est-à-dire les Khalidj, les pays du Golfe, et le Cham, c'est-à-dire le Liban, et autres pays, la Jordanie et autres, tous ces gens-là réunis ne constituent que 13% de fidèles musulmans. Et le reste de musulmans sont soit africains, soit européens, soit, n'est-ce pas, citoyens des autres pays du monde. Donc, l'islam ne dissocie pas la religion à la nation. C'est pour nous musulmans ce que nous devons retenir cela. Ne pas s'intéresser de sa patrie, c'est méconnaître, voire même l'islam. Donc l'islam nous a enjoint cet amour de la patrie. Voilà. Dans la précédente émission, je disais aussi, il y a un autre adage, en dehors de celui-ci, qui dit « Hubbul watan min al-iman »
que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Mais nous avons dit aussi, les Arabes disent al-watanu al-watan, c'est-à-dire une nation reste une nation. Wa in kana fawqa al-jabal, même si elle se trouve au-dessus d'une montagne. Donc nous devons aimer nos pays, mais fort malheureusement, beaucoup d'Africains n'aiment pas leur pays, beaucoup de Congolais aussi, préfèrent aller se clochardiser, hein, et permettez-moi les termes, loin de moi l'idée de vous offenser, certains, je ne dis pas tout le monde, parce qu'il y a la diaspora congolaise qui excelle dans beaucoup de domaines aussi, on y trouve des savants de tout genre, mais il y en a aussi ceux-là, qu'ils me pardonnent aussi, qui préfèrent d'aller en Europe, qui est présenté pour la plupart des Africains, et même Congolais que nous sommes, comme étant l'Eldorado. L'Eldorado signifie un paradis terrestre. Tout le monde, son plus grand souci, le jeune surtout, leur plus grand souci, c'est d'aller mourir en Europe. C'est d'aller y passer un séjour éternel. Il y en a même plus loin qui disent que non, nous ne sommes de foi compute, nous sommes ceux-là qui vont mourir en Europe. Donc, tout son rêve, c'est mourir en Europe. Pourtant, on peut construire son avenir dans sa patrie, et lorsque Dieu élève, il peut vous élever dans votre propre patrie. C'est ainsi, nous devons d'abord aimer nos chères patries. Nos beaux pays, nous devons les aimer. Il y a certains pays qui sont désertiques, il y a certains pays comme le mien, la République démocratique du Congo, qui est considéré comme étant un scandale géologique, un paradis terrestre, où certains sont allés plus loin, jusqu'à dire que 70% des richesses mondiales sont confinés en République démocratique du Congo. Mais est-ce que le peuple congolais, ici quand je parle peuple congolais, je ne parle pas seulement des musulmans, l'ensemble, cet ensemble des Congolais, est-ce que jouit-elle de ses avantages? C'est là où nous allons tout petit peu voir aussi les droits de tout un chacun. Parce que le saint prophète a dit « Kullukum ra'in » chacun de vous est un berger. Wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Et chacun de vous sera interrogé de sa bergerie. Inna Allaha amarakum an ta'uddu al-amanat ila ahliha. Allah vous a recommandé, n'est-ce pas, à restituer les dépôts à leurs propriétaires. Donc nos nations constituent aussi des dépôts. Ce sont des responsabilités. Donc, que les autorités sachent qu'ils ont des droits comme ils ont aussi des devoirs. Mais ici, la question, la grande question que se pose tout le monde, quels sont les devoirs du citoyen envers sa patrie? Nous avons dit que l'amour de la patrie signifie aussi les servir. Il faut servir sa patrie. On peut les servir de diverses formes. Lorsqu'on est employé, fonctionnaire de l'État, on est étudiant, on est imam, on est pasteur, on est, je ne sais pas, tout. Il faut servir sa patrie. Servir sa patrie signifie lui apporter votre secours. La patrie ou la nation, elle est composée des habitants. Ces habitants-là doivent cohabiter tous ensemble. Voilà d'abord le Saint-Coran, n'est-ce pas, nous donne ou définit le mode de collaboration entre les individus qui composent ou qui composeraient, n'est-ce pas, la nation. Il dit « Wata'awanu ala al-birri wa taqwa ». Vous devez vous entraider dans la bienfaisance et dans la piété. Donc, tout un chacun, gouvernant et gouverné, nous devons tous imprimer deux valeurs morales, éthiques, voire spirituelles. Donc nous devons collaborer dans ce sens. On doit bannir les anti-valeurs.
Dire que celui-là, c'est un Mungala. Celui-là, c'est un Mswahili. Celui-là, c'est ceci. C'est ça qui régresse, ce discours-là, régresse nos nations. Et si vous comprenez que l'Afrique, notre beau continent, a régressé suite à ce genre de propos. Hein, les Africains, pourtant, des hommes très intelligents, dotés de grandes sagesses, de grandes civilisations. Puisque les Africains ont, n'est-ce pas, aussi de valeurs. Et je ne pense pas que les valeurs africaines sont inférieures par rapport à d'autres valeurs. Donc moi je dis, toutes les civilisations s'évalent parce qu'elles se pénètrent, elles s'évalent. Il n'y a aucune civilisation qui est meilleure par rapport à une autre. Toutes les civilisations sont meilleures parce que ce sont des aspirations, ce sont des réponses, ce sont des attentes de tout un chacun. Donc, la civilisation africaine, c'est, ou la culture africaine, elle est bâtie dans ce que nous appelons, dans ce que ces grands leaders africains, Mandela, sud-africain, avait appelé, qui est resté pour le sud-africain, une doctrine nationale. Ubuntu, Kibomotu. Ubuntu, c'est ce que prône l'islam, l'humanisme, au-delà de tout ce que nous sommes. Au-delà de la religion, se résume seulement, si nous voulons un tout petit peu recadrer les choses, c'est comme si les savants ont dit que la religion se résume en trois points. Al-Mahabba, l'amour. Donc il faudrait que les habitants de ces nations doivent s'aimer d'abord. Qu'ils comprennent que bon, Dieu a voulu que moi je sois Mbandi et l'autre soit Swahili. Alhamdulillah. Tout ça, ça démontre la grandeur de Dieu. Inna akramakum 'inda Allah atqakum. Le plus noble d'entre vous est celui qui est le plus pieux. Donc Allah nous dit, nous devons, n'est-ce pas, nous aimer d'abord. Nous devons tous, gouverner et gouverner, imprimer le valeur. Le bon mœurs, nous savons que nous, Africains, nous respectons nos religions, mais nous avons aussi des valeurs ancestrales, des valeurs traditionnelles qui relèvent qui ont, n'est-ce pas, des très grandes valeurs, les traditions africaines. Est-ce que nous les connaissons? Ils se débarrassent, n'est-ce pas, des valeurs éthiques, ou des valeurs morales, ou des valeurs traditionnelles de leurs États. Pourtant, l'islam n'a pas, n'est-ce pas, cette idée-là de nous écarter de nos valeurs positives. Nous pouvons ouvrir une parenthèse pour la fermer si vite. Nous allons voir certaines pratiques, même quand nous parlons de la sunna du Saint-Prophète. Nous allons voir dans la sunna du Saint-Prophète, il y a plusieurs types de sunna. Il y a des choses que le Saint-Prophète à trouver normal, parce que ces choses n'ont pas contredit à la doctrine musulmane, elles sont restées. Par exemple, le port de ce que nous appelons la djalabiya. Cette pratique a existé, ou cette habitude a existé bien avant l'arrivée de l'islam de Muhammad. Les Arabes, ou tous les peuples du Moyen-Orient, juifs ou arabes, aiment porter, n'est-ce pas, l'Europe, aiment attacher leur tête. Et quand le Saint-Prophète est arrivé, n'est-ce pas, il s'est conduit ainsi. Bon, ces habitudes-là se sont quelquefois aussi glissées dans la religion. Mais la religion, c'est l'amour, le mers, donc les akhlaq, comme l'a dit le Saint-Prophète, « Mu'ithu li utammima makarim al-akhlaq ». Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes habitudes, ou le bon mers. Et la religion aussi, c'est al-insaniya. C'est l'humanisme. Au-delà de tout ce que nous voulons devenir, nous devons être d'abord des humains. Nous devons nous considérer comme des hommes, pas comme des animaux. Alors, si nous nous considérons comme des hommes, que nos différences ne soient pas des motifs de division. La différence de nos langues, de nos patois, de nos expressions. Regardez, les Arabes disent
Les Arabes disent ceci, Ibaratuna shatta wa usuluna wahidun. Nos expressions sont diverses, mais notre source est unique et exclusive. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tous, vous êtes venus d'Adam, c'est ainsi. On nous appelle les Bani Adam, donc les descendants d'Adam. Wa Adam min turab. Mais Adam est issu de la terre. Minha khalaqnakum. De la terre, nous vous avons créé. Wa fiha nu'idukum. Et c'est dans la terre qu'il y aura votre retour. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Et c'est toujours de la terre que nous allons vous faire sortir pour la seconde fois, donc dans la résurrection. Quand il y aura la résurrection, c'est toujours via la terre. Alors, si nous nous considérons comme issus de la terre, nous ne devons pas nous entretuer, nous ne devons pas nous excommunier, que les Juifs n'aiment pas les Arabes, que les Arabes n'aiment pas les Juifs, que les Africains entre eux-mêmes habitants, n'est-ce pas, d'un même continent, s'expulsent massivement, s'entretuent, mais pourtant, ils se partagent des valeurs. Ils se partagent des cultures. Ils se partagent un certain nombre de choses. Mais vous allez voir, même des pays limitrophes, parfois, créent des divisions inutiles. Pourtant, Allah nous dit « Wa'atassimu bihablillahi jami'an » et cramponnez-vous tous dans les câbles d'Allah. Pour le musulman, souvent nous disons ces câbles, ça signifie « La ilaha illallah ». C'est bien. Mais si nous faisons la grande déduction, ces câbles aussi, c'est la nation. Parce que Dieu, c'est Dieu qui a voulu à ce que nous soyons citoyens de la République démocratique du Congo. Que nos divergences sectorielles, nos divergences des foi ne soient pas pour nous un motif de désunion. Mais nous devons plutôt nous unir. Nous unir tout autour de valeurs éthiques, morales, traditionnelles. Et pourquoi pas aussi tout autour de valeurs, n'est-ce pas, religieuses. Aujourd'hui, nous nous réclamons, nous chrétiens, musulmans, juifs, tous nous disons que nous sommes issus de la maison d'Abraham. Mais pourquoi pas nous devons imprimer le valeur qu'avait, n'est-ce pas, Abraham, le père de la foi, ou le père de nos foi communes. Parce que dès lors que nous nous réclamons tous monothéistes, mais regardez l'histoire d'Abraham, que Dieu lui a donné cette terre d'Arabie comme demeure. Mais il n'a cessé d'implorer secours d'Allah pour ces terres rigides, pour que Allah puisse les transformer. Et Allah a exaucé ce vœu, et ces terres d'Arabie sont devenues bénies, bien que c'est le désert, mais la nourriture coule à profusion, et la situation sociale ou économique, vraiment, par rapport à l'Afrique, qui est un continent vert, mais qui croupit dans la misère indescriptible. Pourquoi? C'est parce que nous avons perdu, n'est-ce pas, deux valeurs. Alors, une nation doit se consolider autour des valeurs. Je pense que si nous dialoguons, le christianisme et l'islam et le judaïsme, nous avons des valeurs communes. Mais quelques intrus se sont pénétrés dans nos religions, jusqu'à dire qu'il y aurait trois religions monothéistes. Pourtant, il n'y a qu'une seule religion monothéiste. Il n'y a pas trois religions monothéistes. Disons, le message de Mohammed, c'est celui-là qui est le même message qui est le message aussi de Jésus, Aïssa ibn Mariam, et le même message, c'est aussi le message de Moussa. C'est autour de ces trois personnalités-là, et tant d'autres, comme grand prophète, le Ulul Azm, qui sont sortis ces trois grandes religions monothéistes. Mais nous n'avons qu'une seule source. Tous nous sommes venus d'Adam. Et nous sommes aussi venus d'Abraham, où nous avons scellé une alliance avec ces derniers. Alors,
nous devons nous inspirer aussi de nos aïeux pour nous consolider, n'est-ce pas, ce que nous appelons l'amour de la patrie fait partie de la foi. Donc, aux musulmans surtout, parce que nous sommes musulmans, nous sommes aussi fiers de l'être, devons leur dire qu'ils doivent s'intégrer dans leur pays respectif, les aimer et concourir, n'est-ce pas, ensemble avec les autres pour élever, n'est-ce pas, nos chers et beaux pays. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأن تدوموا سالمين في خدمة الإسلام والمسلمين. Avec le même plaisir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.